Bonjour à tous et bienvenue dans ce bulletin d'information de la rédaction de Canal 7. En Côte d'Ivoire, le président du Front populaire ivoirien, Pascal Afigessane, a traduit le comité central de son parti en justice pour avoir validé fin novembre la candidature de Laurent Gbagbo à la tête de cette formation politique. Un acte qui confirme l'existence de divisions au sein de ce parti de l'opposition. Uriel Abaga. Agissant à la demande de Pascal Afigessane, la justice ivoirienne a convoqué le comité de contrôle du FPI, qui sera jugé le 18 décembre prochain, pour avoir validé la candidature de Laurent Gbagbo à la tête de ce parti. Président de cette formation politique depuis 2011, Afigessane se base sur l'absence de l'ancien chef de l'État, détenu depuis 3 ans à La Haye, aux Pays-Bas. L'assignation en justice de ces militants du parti créé par Laurent Gbagbo intervient quelques jours avant la tenue du congrès du FPI qui aura lieu du 12 au 14 du mois en cours. Au sortir de ces assises, l'un des deux hommes sera porté à la tête de cette formation avant la comparution des membres du comité de contrôle. Selon Alphonse Douati, un hiérarque du FPI, l'ex-président de la République obtiendra environ 80% des suffrages. Pour cette grande figure du parti de l'opposition, les arguments de Pascal Afigessane, toujours en liberté provisoire, ne sont pas pertinents car l'intéressé a continué à diriger le FPI de 2011 à 2013, période de sa détention. Le Front populaire ivoirien affiche ainsi une nouvelle fois ses profondes divisions à la face du monde. Pour une frange des militants, la libération de Laurent Gbagbo est le préalable à la réussite de la transition ivoirienne. L'autre camp souhaite s'aligner derrière Pascal Afigessane, estimant qu'il est en mesure de représenter le parti lors de la présidentielle de 2015. Au Kenya, faute de preuves, Uhuru Kenyatta, président de ce pays, restera un homme libre. La Cour pénale internationale vient de renoncer à poursuivre le chef de l'État, accusé de crimes contre l'humanité lors des violences enregistrées il y a 7 ans. Les détails dans ce reportage. Accusé d'avoir joué un rôle important dans les sanglantes violences post-électorales fin 2007 au Kenya, Uhuru Kenyatta vient d'être innocenté par la Cour pénale internationale. Faute de preuves et du fait du renoncement de plusieurs témoins, la procureure de la CPI, Fatou Bensouda, a annoncé vendredi qu'elle renonçait à poursuivre le président. Avec un bel enthousiasme, le chef de l'État s'est exprimé devant les Kenyans tout en rappelant qu'il avait maintes fois clamé son innocence. Comme on dit, un de fait, deux qui restent. Je ne vous retiendrai pas trop. J'ai hâte de rentrer voir ma femme maintenant et lui dire ce qui s'est passé. Je suis enthousiasmé. Avec l'abandon des poursuites par la Cour pénale internationale, une frange importante de citoyens kenyans ont réagi dans les rues de Nairobi, soit pour exprimer leur mécontentement, soit leur euphorie. C'est une bonne nouvelle pour nous les Kenyans, car Kenyatta est notre président. Et quand cette affaire a éclaté, c'était basé sur une suspicion. Alors si la Cour pénale internationale a estimé qu'il n'y a aucune charge contre lui, c'est une grande nouvelle. Je pense que la partie adverse doit avoir le sentiment que la justice n'a pas joué son rôle à 100%, mais la procureure a estimé qu'elle n'avait pas de preuves tangibles et comme nous respectons la justice et l'état de droit, vous voyez, c'est comme quand la Cour suprême a reconnu Kenyatta comme président et c'est ce qu'il est. Si les plus hautes juridictions décrètent que nous ne pouvons pas aller plus loin, ce n'est que justice. Pour rappel, Uhuru Kenyatta est soupçonné d'avoir été l'un des instigateurs des violents heurts qui ont eu lieu au Kenya en 2007. Ces affrontements entre militants de partis rivaux avaient provoqué la mort de 1000 personnes et suscité l'exode de plus de 600 000 déplacés. Pour de nombreux observateurs, ces exactions sont considérées comme le plus grand massacre de l'histoire du Kenya. En culture, la star du petit écran Bill Cosby a contre-attaqué en déposant plainte jeudi contre Judy Hutt, qui l'accuse de l'avoir droguée et violée lorsqu'elle avait 15 ans dans la célèbre Playboy Mansion en 1974. Roland Jacou. Mardi dernier, Judy Hutt portait plainte à la star du petit écran Bill Cosby à Los Angeles, l'accusant de l'avoir droguée et violée lorsqu'elle n'avait que 15 ans dans la célèbre Playboy Mansion en 1974. Jeudi, la star a contre-attaqué en déposant plainte contre cette dernière, affirmant qu'elle a tenté de lui extorquer jusqu'à 250 000 dollars contre l'abandon de toute poursuite. Martin Singer, qui défend Cosby et qui est l'un des plus illustres avocats de célébrités, affirme dans la plainte que Mme Hutt l'a appelé le 25 novembre pour réclamer, dans un premier temps, 45 millions de francs CFA en échange de son silence. Quelques semaines plus tard, Mme Hutt et son avocat Mark Schrecker ont fait monter les enchères à 112 500 000 francs CFA.
Selon la loi californienne, pour pouvoir engager des poursuites sur des faits aussi anciens, la plaignante doit prouver qu'elle n'a pris conscience des dégâts psychologiques des faits présumés que lors des 3 dernières années. Ce qui n'est pas le cas selon l'avocat du célèbre comédien. Il y a près de 10 ans, la dame a tenté sans succès de vendre son histoire dans la presse à scandale. Par ailleurs, le chef de la police de Los Angeles a déclaré jeudi que les enquêtes pourraient être ouvertes, et ce, même si les accusations intervenaient après les délais de prescription. Ces accusations ont indigné beaucoup de fans et donnent de quoi écrire à la presse à scandale des États-Unis. L'inscription « violeur » a été découverte vendredi matin sur l'étoile de l'acteur Bill Cosby sur le fameux Hollywood Boulevard de Los Angeles. Une opération de nettoyage de l'étoile a été lancée pour enlever ses écrits, car pour certaines personnes, la star mérite, comme tout le monde, la présomption d'innocence. Sport à présent, le Français Jean-Marc Mormec, ex-champion du monde des poids lourds légers, a été battu vendredi dernier au point par le Polonais Mateusz Mastermek, le combat qui a eu lieu à Issy. Les Moulineaux en France met par la même occasion un terme à la carrière du Français. Willy Tonongoy de Bambera. Champion du monde WBA de 2002 à 2005 et WBA-WBC en 2005-2007, Mormec, qui revêt d'une 10e finale mondiale en cas de succès vendredi, avait déclaré avant ce combat des lourds légers qu'il a retiré la boxe s'il perdait. Battu 99-92, 95-95, 98-92 par le Polonais Mateusz Mastermek, Mormek n'a pas pu supporter le poids des 10 rounds face à un adversaire de 15 ans plus jeune que lui. J'ai pris des risques comme j'ai toujours fait et puis là, je pense qu'il a bien boxé. Je pense que je me suis pas mal débrouillé et puis sur la fin, c'était un peu, il a pris l'avantage. Donc après, c'est légitime, il a gagné, il faut être honnête et je pense que je l'ai dit aussi au public. Dans ce combat qui a commencé sur des chapeaux de roue, les deux boxeurs ont offert un spectacle basé sur une franche opposition, quand bien même il n'y avait aucun enjeu majeur. Le Français, qui n'avait plus boxé depuis 27 mois après sa défaite en mars 2012 face à Klitschko, a eu beaucoup de mal à se mettre en évidence dans ce combat où le Polonais, ancien champion d'Europe grâce à son job du droit, a pu le tenir à distance, ce qui lui a permis de toucher à plusieurs reprises le Français et donc de l'emporter au point. On l'a vu, je me suis quand même bien débrouillé, peut-être après j'ai péché parce que manque de ring ou manque de combat. Jean-Marc Mormec met donc un terme à sa carrière, une carrière qu'il avait commencée à mi-lourd, une catégorie qui lui a permis d'être l'un des meilleurs lourds légers des années 2000. Avec 43 combats, dont 37 victoires et 6 défaites, Mormec peut être fier d'appartenir au cercle très fermé des boxeurs mondiaux au parcours exceptionnel. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition d'actualité sur Canal 7.